sing that old hymn, Only Believe. Give us the Peter. Only Believe. Thank you.
in Tel Aviv this afternoon with the announcement of a Jewish state. David Ben-Gurion of the newly formed Provisional Council is calling on Arabs of Palestine to restore peace. They have been assured full civil rights and full representation in the newly formed government. It is hard to say how this Jewish decision for statehood will affect the current UN debate to revoke partition. I have been instructed by His Majesty's government to announce with all solemnity that they have consequently decided that in the absence of a settlement, they must plan for an early withdrawal of British forces and of the British administration from Palestine. The United States recognizes the provisional government as the de facto authority of the new state of Israel. To show her the Christ, and the Holy Spirit moved upon Anne, and I can see that old blind prophetess that morning coming along through that building, blind, led by the Holy Spirit, moving along all along those people, come down along that line of women, and stop right in front of the fountain, for she was led by the Holy Spirit. Yes, He's here tonight. He is risen from the dead. He's given you the promise. The Holy Spirit's drawn you together. If you wasn't here tonight, if the Holy Spirit hadn't brought you here, you'd be out somewhere in the world. But you're sitting here in this hot building, fanning, because why? You're expecting to see Jesus Christ come on the scene and confirm His word. Expectations. If you expect to come just to find something to criticize, the devil will sure show you plenty to criticize. You certainly will. You get what you expect. Some of them say, well, now, if I don't get up in the prayer line, if I see something like this, then I'll believe. You'll get what you expect. I'm expecting tonight to see the Holy Spirit come and manifest Himself in power, pour out His glory up in this building here. Many receive the baptism of the Holy Spirit. Sinners weep they were to Calvary. Sick be healed. All manners of signs and wonders, because Jesus Christ has promised it. And I believe His promise. Je désire vous parler une minute, sœur. Vous êtes consciente que quelque chose se passe, bien sûr. Vous voyez, cela vient d'arriver. Si c'est vrai, faites-le voir aux gens, levant votre main. C'est juste, vous voyez, c'est sa présence. C'est cela, vous voyez. Je vous suis inconnu, je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit dont j'ai parlé, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si j'ai justement témoigné de cela aux gens, et déclarer cela comme étant la vérité, et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose à votre sujet qui vous aidera à croire en lui. Si vous êtes ici, je ne sais pas quel est votre besoin, mais lui le sait. Si Dieu permet cela, accepteriez-vous votre guérison, ou la chose que vous voulez, qu'il s'agisse d'une question financière ou autre pour laquelle vous voulez le chercher pour lui demander? Qu'il s'agisse de troubles familiaux, quoi que cela puisse être, il le saura et peut me le faire savoir, n'est-ce pas? Et cela le rendrait le même que lorsqu'il parla à la femme au puits. Je vous parle seulement comme il le fit pour contacter votre esprit, et je vois que vous vous éloignez de moi. Je vois que vous avez eu une sorte de collision, c'est un accident de voiture, et vous avez été projeté en l'air comme cela. Et cela vous a blessé quelque part, dans votre cou, et un cancer s'y est installé. Et vous êtes une genre d'enseignant dans les Écritures. Croyez-vous que Jésus-Christ vous guérit? Père divin, au nom de ton Fils Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole, près d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan,
tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te commande de la quitter au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, sœur, un instant, je veux seulement vous parler. Bien sûr, vous savez que c'est parti maintenant. Cela restera comme ça. Voyez comment est votre gorge, tout est parti. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Allez votre chemin maintenant et soyez reconnaissante, heureuse et pleine de joie. But he came to that little insignificant no-account bush and set it on fire because he wanted to come to the worst failure known in history. Set him. Wat is uw naam, meneer? Mark Moling. En waar komt u vandaan? Deze heer komt uit Californië en hij is lid van de Lutherse kerk. U hebt een verzwakking waardoor u zo kreupel bent. En dan staat er op uw kaart dat u niet kunt eten. Wat bedoelt u daarmee? Hij geeft al zijn voedsel weer terug.